Nous jeudi à lundi 6 août 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cabane capable porter pour première information, première sortie télévisuelle là pour semaine ici là. Mais entre-temps, quittez-nous, saluer tout le monde et on a pas souhaité passer une très bonne journée lundi sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, on a pas bas au premier sujet n'a pas développé national là pour matin. Pour nous faire connaître, dans un message président de la Jovenel Moïse publié sous compte Twitter hier dimanche 5 d'août là, les noms citoyens Jean-Henri Seyon, Cordiel, le moniteur. L'autre information n'a pas gagné pour nous capables de garder ensemble matin pour nous faire connaître direction générale police nationale ensemble avec ministère conditions femmes avec droits femmes lancé un projet pour renforcer capacité PNH là pour recruter plus femmes dans institution policière. Chauffeur qui sorti dans presque toute mairie dans pays qui prale pour capable piloter camion compresseur président république la distribué par un mairie participer pendant vendredi 3 d'août là dans une séance formation et puis exercice simulation direction protection civile arrivé dans le vendredi 3 d'août passé à activité ça qui était faite dans l'idée pour évaluer capacité centre opération urgence différente avec différents services dans le département. Voilà, c'est ensemble pour ça qu'on a campé le cadre de l'offre essentielle. Le journal pour matin, on a pas envie de rester branché. On a pas tourné dans quelques secondes. Tant pis, pas déplacer. Merci parce que toujours été branché Télévision Nationale d'Haïti. On a souhaité tout le monde passer une très bonne semaine, mais surtout un très bon lundi sous Télévision Nationale d'Haïti. On a pas démarré avec. Pas qu'on a dans un message président république la Jovenel Moïse publié sous compte Twitter hier dimanche 5 d'août là il nomme un citoyen Jean-Henri Seyon comme nouveau premier ministre après consultation avec président de chambre parlement n'a pas précisé qu'il a arrêté qui sorti dans journal officiel PIA le moniteur. Prochaine étape là c'est pour la présentation déclaration politique générale premier ministre nommé Jean-Henri Seyon devant Sénat République là chambre députée. Plus d'informations dans le cadre de sujet ça, c'est après nos prochains journal télévision. Président République la Jovenel Moïse remet jeudi 2 août passé à clé 37 camions compressifs par administration communale qui dans différents coins dans le pays et spécialement dans Gros Villio. Distribution camion ça d'après chef l'État rentré dans le cadre support exécutif là à bail collectivité yo avec programme assainissement différents communes en dans le pays. On a invité au suivant ensemble avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Noël Duverne qui était sur place. Jean-président républicain Jovenel Moïse te promet ça, équipement pour faire travail assainissement dans tout pays a commencé à arriver. Journée jeudi 2 d'août là, chef l'État remet clé 37 camions compressifs qui pral dans diverses mairies dans pays a en attendant l'autre camion venir pour renforcer travail là. C'est une véritable opération ville propre qui démarre. Tout pays, toute ville, grande ville dans pays a tout là bon compressif. Si nous voulons faire un exercice, on a mettre gros ville, on a mettre Port de Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Hinche, Mibale, Léogane, Port de Paix, tout gros ville, Kay, Jacques Mel, Jérémy, ils ont tous des camions là, gros ville. Ils ont tous des gros camions, ça, c'est l'argent taxe, ça, c'est l'argent impôt, ça, c'est l'argent qui va le servir. C'est comme ça qu'on a fait l'argent, ça. Tourner sous forme service pour. Camion ça là est spécialement pour faire la propreté. Ramasser fatra dans une série zone côté fatra te tourner adresse ou soit pour faire devant kayak business moon. Flotte camion ça vini dans moment la pluie qu'on tomber et surtout dans moment nettoyage à faire pour préparer rentrer l'école là. Série distribution matériel ça yo fait partie priorité caravane changement qui visait changer figi pays a à travers une réelle décentralisation. Yon pi bon infrastructure et surtout yon vaste programme la propreté sur ensemble territoire national là. L'autre information dans journal là exercice simulation direction protection civile là arrivé dans Moutli pendant journée vendredi 3 d'août là activité ça a été faite dans l'idée pour capable évaluer capacité centre opération urgence à différents services dans département yo Simex si là té occasion pour sensibiliser population en ce comportement yo doit adopter les catastrophes naturelles en suivant un expert dans micro Rodney d'Orléans qui avec Pierre. Objectif qui fait que nous faisons justement simulation ça exercice ça
c'est pour justement évaluer, pour nous garder qui Jean Couyo, centre d'opération d'urgence, capacité qui Jean réagit. C'est pour évaluer tout et qui Jean comprenne, qui Jean mette en application plan stratégique que nous mettons sous pied pour nous voir qui Jean comprenne, qui Jean réagit par rapport justement à plan et à procédure qui existait déjà ou bien qui existait déjà dans le commun. L'autre bagaille tout que nous avons évalué, c'est évaluer la capacité de service d'urgence dans la ville Zago. Bon, nous avons une ville et Okaï qui j'en peut-être est censé réagir. Là, nous avons parlé de EDH, TPTC et Santé, ICS Santé et la police qui j'en a réagi rapidement. Le bon problème, ça n'a pas été et dans la ville Okaï, et dans Ilavache, et dans Fondeneg et à Miagouane. Qui j'en service sérieux réagit rapidement par rapport à un danger qui est sur. Et que c'est ça tout qui permet tout qu'à évaluer justement communication ou bien et interaction entre différentes instances qui existent. Dire, si on va arriver là, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec instance que l'été BTCA, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec PNH, qui j'en qu'à communiquer rapidement avec le centre de santé, qui j'en qu'à communiquer rapidement tout avec le ministère de l'environnement qui a apporté des solutions avec nous. Donc c'est comme ça que l'exercice ça va permettre nous capable de comprendre toutes les procédures qui mettent sous pied qui gens eux-mêmes ont réagi par rapport à leur danger arrivé. Et bien par rapport à ça, le ministère intérieur lui-même, encore une fois, voulait poser tout ça qui a passé dans ces zones. Nous ne pouvons pas laisser le bagage à la fin de l'arrivée pour nous réagir. Nous-mêmes, nous avons déjà pour nous préparer bien avant. Nous n'avons pas toujours été dans le cadre de dossier là pour nous faire connaître un responsable de la direction de protection civile qui a choisi le département sud à Kenipo pour l'exercice CIMEX 2018. L'activité ça, c'était l'occasion pour le responsable DPCO de réaliser plusieurs calculs de simulation. Nous avons plutôt suivi un extrait toujours dans le micro, Rodney d'Orléans à Kervin Pierre. Donc, Anissa, simulacre la saleté, c'était que justement que nous avons créé une situation côté que était un bateau qui était à faire naufrage au loge de la ville de Kay, dans le canal là, bon, Ilavache, et nous demandé pour que les gardes-côtes, avec assistance Semana, intervenir pour aller repêcher Mounsayo. Et effectivement, monsieur Damio fait un travail extraordinaire côté que, effectivement, de manière réelle, il est allé repêcher Mounsayo, il a mené justement, à la abri, ils ont mis sous côte là et protection civile avec toute unité urgence qui gagne dans ville locale prend en charge. M'a parlé là de santé, m'a parlé là de pompiers, m'a parlé de tout le monde. Ça prend en charge et justement commence mettre au côté pour aller pour capable prendre soin. Toujours dans le cadre simulacre, nous avons évacué au parti de la population Ilavache là qui lui-même justement que nous avons simulé comme quoi que l'état en situation et de désastre tout. Donc nous avons évacué au parti de la population ça que nous avons mis en abri justement et nous avons activé le comité communal Ilavache là. Nous avons activé tout le comité communal Ville des Cailles qui lui-même t'est retrouvé là avec un scénario côté que tu as commencé avec une inondation. Et de ce fait, nous avons été obligés d'activer centre opération d'urgence départementale sud là. Et même situation, nous créons une situation similaire autour dans le département des NIP, côté que le centre d'opération d'urgence départementale des NIP est activé parce que nous avons créé un scénario et qui était passé dans et Fondeneg et dans Miragouane. Et j'en nous connais un pour que justement dès qu'on arrive dans une situation côté qu'on a plusieurs points qui activés, nous obligés à activer centre d'opération d'urgence nationale là qui c'est Kounna pour que elle soit capable de faire travail de coordination et porter assistance à centre d'opération départementale ça. Nous avons annoncé dans Titio, direction générale police nationale, là, nous avons collé avec le ministère conditions formes et droits femmes, lancé vendredi 3 d'août, là, projet renforcement capacité police nationale, là, pour recruter plus femmes dans l'institution, hein. Projet, ça a joué une bourrade technique ONU Femmes. N'a pas vite suivi un reportage avec Stéphanie Scholl et puis Hervé Pierre.
Pour une meilleure représentation femme dans la police nationale, là, responsable compte former une classe préparatoire dans l'idée pour faciliter plus femmes intégrées et puis réussir dans l'examen PNH. Responsable coordination aux affaires femmes dans PNH, là, commissaire divisionnaire Marie-Louise Gauthier, et directeur général de la police nationale, là, Michel-Ange Gédéon, dit espérer atteindre l'objectif fixé. Nous pouvons aller dans le quartier Aricio à travers les organisations de femmes pour nous entretenir avec mesdames et puis nous pouvons sortir des formes qui ont rempli et là nous avons fait des sélections pour faire classe préparatoire. Ça. À cet effet, nous avons formé un comité de pilotage qui pour travailler pour ça, pour atteindre l'objectif. Pour notre leadership, on s'assure que les femmes ne sont pas seulement confinées à faire le travail de chez nous, comme vous l'avez si bien précisé. Généralement dédié aux hommes. Nous attendons encore que d'autres cadres puissent exploser pour qu'elles viennent renforcer l'état-major de l'institution. Ministre Condition Femmes et Droits Femmes, non, Eunice Innocent, plaide pour égalité femmes et garçons. Il fait connaître capacité en monde pas chita dans le sexe. Parce que en fait, nous connaissons la police nationale là, c'est une institution qui n'a pas échappé à stéréotypes qui a gangrené dans la société, qui fait comprendre que jusqu'à présent, que y a quelques métiers qui nécessairement réservés à garçons et que femmes pas là-dedans. Tout bagaille, c'est dans le cerveau que lié, c'est pas dans le sexe que lié. Représentante ONU Femmes non, au QDD, souhaitait une inclusion sociale côté femmes a besoin accompagnement yo mérité dans la société. C'est un projet innovant dans la mesure où ils visent à renforcer la participation des femmes, la représentation des femmes dans la police haïtienne. Et en utilisant justement des stratégies pour adresser les causes sous-jacentes d'une faible représentation des femmes. Important, innovant, inclusion sociale et accélération de la réforme. Voilà. Renforcer capacité plus femmes dans la police nationale là et puis garantir participation femmes dans toute décision dans la vie nationale là, c'est objectif projet ça cap dire 6 mois qui joint appui ONU Femmes, mission Nations Unies pour assurer la justice dans le pays d'Haïti. Nous parlons pour qu'on ait ça qui concerne l'éducation. Pour nous faire connaître, le directeur du Bureau national examen l'État, professeur Renan Michel, dressé vendredi 3 août là, bilan résultat épreuve officielle pour l'année académique 2017-2018 là. Pour 9e année fondamentale, le département de la Tibonite devant avec 62%. D'après directeur Bunex là, qui précisait résultat baccalauréat pour ce département, tant pour l'Ouest, la Tibonite tape disponible pendant week-end. Là. Professeur Renan Michel profite à annoncer session extraordinaire baccalauréat déroulée semaine 13 d'août. La plus explication dans le cours Mildred Milias avec Moïse Ulbich. Bon, nous sommes capables de dire que l'examen a passé très bien. Et pour 9e année, et nous finissons totalement avec tous les résultats. Donc, tout département a des résultats déjà. C'est ainsi que nous avons la Tibonite. Qui est un taux de réussite de 62%. Nous avons l'Ouest qui a un taux de réussite de 73% dans la 9e année. Sud, c'est 52%. Le Centre, 54%. Nord-Est, c'est 59%. Nip, 62%. La Grande-Est, 62%. Le Nord, 66%. Sud-Est, 69%. Nord-Ouest, 65%. Donc, pour la 9e année, eh bien, tout le résultat est fini. Pour le baccalauréat, nous avons 6 départements que nous avons déjà. Et bien, actuellement, nous avons la phase finale pour l'autre département, à savoir l'Ouest, la Tibonite, le Nord et le Nip. Donc, nous sommes sûrs que dès demain, et bien, le résultat sera censé préparer et bien, pour que nous soyons censés boucler le résultat pour le baccalauréat. Le ministère de l'Éducation a été fixé date là le 13. Eh bien, nous-mêmes, on a fait tout effort pour que lundi 13 août, eh bien, la date est toujours respectée. Eh bien, c'est ça, fait à mettre la dernière main dans tout, dans le département qui était là, pour que semaine ça, eh bien, avant dimanche, eh bien, nous publions tout le résultat ça.
Directeur Bureau National Examen d'État, professeur Renan Michel, qui t'a prononcé sur le cas spécial, fait connaître aujourd'hui le cas irrégularité dans les élèves qui concernent les élèves. Professeur Renan Michel souhaite directeur l'école yo fait preuve plus responsabilité pour éviter ce genre de situation. On peut vite suivre l'intervention. Professeur Renan Michel, qui était toujours dans le micro, Mildred Milias avec Moïse Wilbich. Bon. Effectivement, il y a plein de monde qui a composé dans le cas spécial, près de 4000, près de 4000 à 5000 personnes qui a composé. Mais nous avons fait un traitement de tout cas et que nous avons vérifié chaque élève en particulier, et bien nous avons constaté seulement que 334 dans toutes ces personnes qui réussit à respecter toutes les conditions. Et bien 334 ces personnes, et bien nous avons chercher feuille examen, nous te fait corriger yo, et n'a préparé résultat pour yo. L'autre élève yo, et bien puisque yo pas rempli condition yo, gan pile là yo qui pas passé dans 9e année, gan pile là yo qui pas passé dans seconde, gan pile là yo qui pas passé dans retour, et puis gan pile là yo ou pas dans système là. Yo di yo te dans telle école ou fait 9e année, loin dans l'école là ou pas yo. Vous avez fait seconde dans telle école ou dans l'école ou pas. Donc, par conséquent, moun sa yo ou pas qu'à traiter pour vous parce que vous n'avez pas de bonnes gens d'information. Le ministère a décidé de prendre des dispositions et depuis date inscription arrivée, si un petit monde ou pas inscrit. Académie formation et perfectionnement cadre AFPEC organisé vendredi 3 août là, une journée porte l'ouvrir dans l'occasion 26e anniversaire institution. Dans l'occasion, responsable AFPEC yo bay information sur divers programmes et coupé à forme AFPEC, yon projet formation continue pour professionnels, l'IMEA, yon programme licence en management, management et entrepreneuriat appliqué à travers programme LIMEA pour responsable AFPEC yo visé non seulement changer façon jeune yo penser dans question entrepreneuriat mais tout former 10000 entrepreneurs. N'a pas vite suivre yo extrêmement une précision président AFPEC là met Henri Marge d'Oléen qui était dans micro Rachel Sinfora qui a Fresnel Toussaint. AFPEC son institution qui là depuis 26 ans. Un quart de siècle. Donc, nous formons un paquet de bon monde qui est l'administration publique, qui est l'ONG, qui est l'entreprise privée. Mais nous sommes toujours concentrés sur le monde qui travaille déjà. Des professionnels qui sont déjà dans le milieu et qui ont l'autre formation continue. Mais depuis quelques temps, on a lancé un programme d'entrepreneuriat parce que nous sommes pour nous former 10 000 pour nous payer 10 000 entrepreneurs. Ça passe, c'est que le gros problème pays a son problème de jeunes qui n'ont pas de travail pour faire. Il y a l'école, il y a fait l'université, mais tout c'est un petit CV comme Abraham et puis il y a besoin de chercher un job. Mais un job n'a pas existé. Parce que dans l'État, il y a environ 85 000 emplois. Et puis si vous mettez ça qui existe plus ou moins dans l'ONG, dans le secteur privé, ça fait environ 500 000 emplois dans le pays. Pendant ce temps, il y a près de 5 millions de personnes qui ont besoin de travail dans le pays. Ça veut dire que c'est un travail qui gagne pour 10 personnes. Donc avec ça, on ne peut pas avancer. Jeunes ont besoin pour outiller, pour comprendre que c'est l'entrepreneuriat pour y aller. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas faire un petit business, acheter deux, trois bagages, mettre là devant et vous bailler. Ce sont sciences liées pour apprendre qui vient pour faire. Parce que si vous ne savez pas qui vient pour faire, vous allez commencer, vous commencez un petit business, à acheter des bagages, vous vendre, etc., etc. Et puis après deux, trois jours, vous pas dans le business encore et vous décourager. C'est même gentil qu'on pas qu'être jeune pour job, vous commencez un petit business, c'est vrai, mais vous pas même croire dans ça à faire. Parce que pendant que vous commencez un petit business là, en même temps, vous allez chercher du travail. Vous allez essayer et puis, il y a un petit business pour nous dégager. Logique, là, ce n'est pas comme ça. Donc, nous avons besoin de changer gens, jeunes filles, jeunes garçons, penser dans le pays, dans la question de l'entrepreneuriat.
journal là pratiquement arrivé dans bout de lui, mais n'a pas rappelé ensemble point qui était fait essentiel pour maintenir pour nous faire connaître. Dans un message président de la République, la Jovenel Moïse publié sous compte Twitter hier dimanche 5 d'août là, les nommés citoyens Jean Isaïe comme nouveau premier ministre après consultation avec président de chambre parlement n'a pas précisé d'un arrêté qui sorti dans le journal officiel le pays le Moniteur. Direction générale police nationale ensemble avec le ministère conditions femmes droit femme lancer un projet pour renforcer capacité PNH là pour recruter plus femmes dans institution policière. Chauffeur qui sorti presque dans toute mairie dans pays a qui prale piloter camion compresseur président République là distribué par mairie au participer pour vendredi 3 d'août là dans une séance formation. Exercice simulation, direction protection civile arrivé dans bout de pendant la journée vendredi 3 d'août là, activité si là été faite dans l'idée pour capable évaluer capacité cette opération urgence avec différents services dans le département. Voilà, c'était ensemble pour ça avec un pilote qui t'a fait journal, qui t'a fait essentiel le journal là pour maintenir. On a souhaité tout le monde passer une très bonne semaine sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais surtout, on a pas de retourner sur la télévision pour suivre la reste programmation. Très bonne journée lundi à tout le monde.